Bonjour et bienvenue à la présentation des outils utilisés dans la pratique de l'écoute imaginaire. Je me suis longtemps questionné sur comment il était possible de favoriser la santé avec différents types de produits, qui pouvaient donc être des produits que l'on portait sur soi, tels que les aimants, tels que les circuits de cuivre, les bracelets de cuivre, des choses comme ça, ou encore les produits tachyoniques ou orgonites que l'on retrouve également sur le marché. Je me suis donc intéressé à ces trois produits-là et j'ai fait des explorations. J'ai pris le temps de regarder quels étaient les effets sur les gens qui utilisaient ces produits. Et donc, l'idée de cette présentation a pour objectif de vous présenter donc les trois grands principes que j'ai identifiés à travers ces produits-là. Donc, la magnétothérapie qui va vraiment avoir, qui utilise des aimants, qui va donc avoir une action fort intéressante pour relaxer le corps et amener donc du sang dans la région où on met un aimant. Donc, ça va être fort efficace pour les gens qui ont des problèmes d'arthrite, rhumatisme, entre autres, puisque ça permet d'avoir du sang en plus grande quantité dans les tissus, permettant donc un amoindrissement important des douleurs associées donc au rhumatisme, l'arthrite, etc. Les circuits de cuivre, tant qu'à eux, j'ai pu constater qu'ils étaient davantage circulants, c'est-à-dire qu'ils favorisaient une circulation énergétique plus importante. Ils ont donc une vertu un petit peu tonifiante, mais surtout circulante, et ils vont être utilisés justement pour amener de l'énergie, pour se sentir plus dans une position de vitalité. Et ce qui est intéressant avec le produit de cuivre, c'est que cela va vraiment amplifier les signaux du corps. Donc au niveau du travail intuitif, ça va très très bien se combiner avec eux. Le troisième produit que j'aimerais vous présenter maintenant, ce sont les produits que j'appelle tachyoniques, orgonites, les produits informés, c'est-à-dire des produits ou des appareils énergétiques de tels que qu'on la retrouve dans la thérapie quantique, sont utilisés pour informer des produits, que ce soit du bois, que ce soit des matières de plastique, etc., pour amener une certaine énergie et une certaine information dans l'énergie du produit en question. Alors l'intérêt de ces produits-là, c'est qu'ils sont davantage tonifiants, donc ils vont être énergisants. Ce sont des produits qui vont être fort intéressants pour amener un apport énergétique, un peu comme si c'était des petites antennes qui venaient comme amener de l'énergie cosmique dans notre corps. Donc encore là, ça serait intéressant évidemment de, selon le besoin, d'utiliser soit les aimants, le cuivre ou les produits de ce type-là pour favoriser donc un bien-être. Alors je vais vous inviter évidemment tout au long de cette section-là du site à découvrir chacun de ces produits. Alors je vous souhaite une très belle visite et à bientôt.